Non. Mais on a tout essayé. Voilà. Pour que tu rencontres un homme ou une femme. Mais non, t'as pas envie. T'as pas envie. On va pas te forcer à faire une rencontre si tu n'en as pas envie. Excusez-moi. Alors, il y a des mecs et des nanas qui ont déjà quelqu'un dans le cœur. Et il y a des mecs et des nanas qui veulent ce mec ou cette nana. D'accord. Et on n'y arrive pas. Hein, batailler, batailler. Ouais, pour te foutre avec quelqu'un. Voilà, comme si. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, si. J'ai l'impression que vous êtes amoureux. Donc, ça sert à rien, en fait. Mais bon, à se demander pourquoi. Ah bah bon, je te le dis, parce qu'il y a un mec ou une nana qui veut ce mec ou cette nana. Mais non. Non, c'est peine perdue. Non. Et pour moi, je pense clairement que tu as les mêmes envies que elle et que lui. Moi, je pense que vous avez envie de vivre sous le même toit. Je me demande même si pas plus. Ah, d'ailleurs, même limite, je sais même pas si ce monsieur n'a pas envie de se marier avec toi. Et si tu n'en as pas, si tu as envie, j'ai l'impression que c'est réciproque. Mais il y a un cafard de mec ou de nana qui veut être avec lui ou elle. Ah putain, allez bonne salope. Ah si, moi je pense que si. Si, les gens ils comprennent pas le français. Hein. Tu vois? C'est quelqu'un. Si c'est une nana, elle est plus jeune que toi. Tu es plus âgé que cette nana. Voilà. Je comprends pas le français. Pourtant, elle vit en France, hein. Elle vit en France, elle parle le français couramment. Ah oui, mais couramment, couramment, couramment. Mais voilà, tu vois, voilà, ce genre de nana. Voilà. Bon. C'est incroyable, mais vrai, tu vois. Voilà. Qui fait un blocage en fait sur le mec. Enfin, en fait, sur le tien, parce que c'est pas le tien en fait. Non, c'est ton mec. C'est ton mec à toi. Et chez sa copine à lui. Mais vous ne vivez pas ensemble, sous le même toit. Mais c'est ton copain à toi. C'est pas le sien. Ça, alors ça, je te le garantis. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, il ne peut pas.